En tant que magicien, on me demande très souvent est-ce que vous pouvez faire apparaître de l'argent. Alors je leur réponds très souvent que je suis bien meilleur pour le faire disparaître, mais s'ils insistent, je leur dis oui, en fait, peut-être pas de l'argent, mais j'ai des cartes bleues. Des cartes bleues. Alors ils sont souvent déçus, mais je leur dis oui, mais en plus, regardez, j'en ai plusieurs. Plusieurs. La plupart des personnes ont une carte bleue, mais... Ah, ils sont toujours déçus. Alors c'est pas grave, vous allez au distributeur, vous faites un code, et instantanément, paf! La machine vous donne, bah, par exemple, 10 euros. Et c'est pas mal, 10 euros. Alors, c'est pas mal, mais regardez, si on le remet dans la machine et qu'on fait touc, 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 instantanément, maintenant, ça augmente et c'est 20. 20 euros. Donc, on a 10 euros, 20 euros. Et on peut même aller plus loin, parce que je vous l'ai dit, j'ai plusieurs cartes, j'en ai 4. Hein. Et si on fait une petite passe magique, instantanément, maintenant, ça monte à 50 euros. 50 euros. Ah, je vous ai dit combien j'ai de cartes? Bah, 4, 4. Donc, on a fait 10, on a fait 20, on a fait 50. On pourrait peut-être même faire un petit peu de vert. Avec le billet de 100 euros. C'est joli le vert, on sent bien le vert, c'est l'espoir le vert. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais ce sont des cartes bleues qui ne sont pas vraiment des cartes bleues. Alors on pourrait avoir des cartes bleues qui sont en réalité des cartes noires, mais ce sont quand même des cartes bleues. Et avec ça, on peut toujours avoir de l'argent. Hein. Bon, on peut aller plus loin quand même, on peut faire plus moderne maintenant, parce que vous savez, pour protéger un petit peu son argent, maintenant on a l'or, et peut-être même l'or numérique qui commence à prendre un peu d'ampleur, le bitcoin, petite passe magique, regardez, et instantanément un bitcoin, ça commence à être pas mal. Alors on a trois cartes et un bitcoin, mais si on fait une deuxième passe magique, instantanément on peut avoir un deuxième bitcoin qui arrive, voire même un troisième bitcoin qui arrive. Alors si on a trois bitcoins, il nous reste plus qu'à faire une dernière passe magique pour avoir quatre bitcoins, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais 4 bitcoins, moi, je prends. Hein. Et d'ailleurs, j'ai fait tout ça comment? Ben en fait, avec des cartes bleues. C'est quand même ça le plus mystérieux dans l'histoire.